Comment vous dire? Hier, j'ai kiffé aller rechercher les différents street art de Paris. Et aujourd'hui, j'ai envie de réitérer le coup. On va aller à la recherche des différents tags de Paris. On part de la place d'Italie et on va faire tout le tour de la place. Bon allez, go, c'est parti. Bon, vous avez vu pas mal de tags, mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des affiches collées. Et justement, je voulais vous en parler de ça, parce qu'il y a un artiste français qui fait ça, qui s'appelle JR. Pour ceux qui connaissent pas JR, il colle des affiches partout. Parfois, c'est juste à but artistique, mais parfois, il y a un message derrière. Je me souviens d'une œuvre qu'il avait fait, c'était contre le conflit israélo-palestinien. Comme vous le savez, avec ce conflit qui est encore d'actualité, il y a un mur qui sépare les deux pays. Et JR, ce qu'il a fait, c'est qu'il a collé des portraits de palestiniens du côté israélien et vice versa. Il a aussi collé des portraits israéliens du côté palestinien. Et tout ça dans un message de paix, le but était de montrer que ceux qui sont de l'autre côté du mur ne sont pas si différents de nous. Et il en a fait plein des messages comme ça. Si ça vous intéresse, vous tapez GR sur Google et vous allez vite trouver quelque chose. Juste une petite info pour ceux qui se demandent comment je fais pour trouver les différents tags qu'il y a dans le 13ème.
J'ai juste imprimé en fait une map qui référence, comme vous voyez, tous les points verts, et ça référence tous les tags qu'il y a dans le 13e. Ou du moins une bonne partie des tags. Pour ceux qui veulent, il y aura le lien dans la description.